Emma Ba de la Sierra Leone. Et deuxième assistant, sort dans un instant. La Gambie, cette équipe a déjà déroulé tout à l'heure par le Mali, la Sierra Leone. Cri de guerre. Il n'y a qu'un public bien réglementé avec bien sûr le respect des gens. Allez, le coup d'envoi donné par Bangoura Swahib de la Sierra Leone pour 45 minutes. Ce sont tout de suite les Gambiens qui veulent se découvrir. C'est pas fini. Centré. Il y a une entente parfaite. C'est un peu huilé. La réception. Le contrôle et le dribble. Oh là là. Il n'a pas su ajouter sur son côté droit. Poteau de centre qui vient. La défense est là. Et ce sont les Gambiens qui multiplient les assauts. Ils accélèrent le rythme. Mais devant, il y a toujours un ou deux joueurs seulement face à trois Mauritaniens. Il n'est pas facile de s'en sortir. Bien joué. Voilà, c'est bien fait. Le centre. On va suivre ce contre. Non. Ganissao à la réception. Qu'est-ce qu'il va faire? Il joue derrière. La tête et le portier perdent de cette formation. Voilà. Ils ont pu réduire l'écart. C'était pas évident. C'est parti. Pourtant, en petite catégorie, la Gambie a toujours eu le surnommé policier. But. À la 22e. Ah oui, on le disait. C'est la touche est rapidement exécutée. Attention. Ah oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas frapper directement. Ouais. Pour qui? Et la place. Revoici cette action. Ah oui. Il a failli faire. Attention. C'est parti. Voilà. Une reprise loupée. Et là, on est. Ce sera pour le portier tranquillement, ça. On change de côté ici, là. Pour Mohamed Ba. Et d'aller et de venir. C'est le même peuple. Attention. Ah oui, il a failli être trompé. Qu'est-ce qu'il a. C'est parti. Oh là là, on le disait, ils ont du mal à. Vous voyez, il est difficile de franchir ces lignes. C'est pourquoi il faut sortir la tête de l'eau. Attention, c'est parti, le numéro 10. Mauritanie, tu es du beau jeu. Ça, c'est un dégage. Il pouvait le jouer en deux temps. Ce serait parfait. Voilà, on l'a dit. Qui peut le faire mieux? C'est parti. Une belle sortie. Oh là là, le portier qui est allé au charbon, mais là, c'est peut-être dedans. Oui. Oh là là. Sauvetage des passes à bien ajusté. C'est ça qui est dit. Ouais, l'action de tout à l'heure. C'est lui, Bouya. Ah oui, c'est ça. Il joue des deux pieds. Diata. Bon. Et du 7, mais pas. Peut-être dans les vestiaires, l'entraîneur Roumandia saura. Pas de tir direct. La tête, Ngom qui n'a pas réussi. Ngom, bien fait de s'en assister. Il n'a pas suivi Mbarek. Ouais, il va protéger. Dans un instant, ce sera la pause ici. Et voici. C'est le coup de sifflet de cette. Bien sûr, le débrief de la pause avec à la 22e minute ici au stade La Dior. Également, ils vont chercher à corser l'addition pour se mettre à l'abri. Ce n'est pas évident. Oui, c'est joint de temps, Boudiard. Le centre. Il y a un bon centre qui arrive. Le voici. Marong, Omar, il sert son coéquipier, Bognan encore, Bognan le capitaine gambien qui s'est retrouvé à gauche, attention, une belle introduction, oh là là, il a voulu, Bognan, face à Sissoko qui va laisser, c'est lui, Cheikh Diaw qui tire, oh là là, il a failli surprendre, okay.
sera pas aisé puisque où il se trouve en cette période de Tony Silva, Aliusis et autres, et qui pour l'essentiel, et là ça joue le centre enchaîné, la tête gambienne, le danger n'est pas, le système va être refait, une autre tentative, le centre c'est fait, attention, ça file, et là c'était trop risqué, c'est pas fini, qu'est-ce qu'il va tenir cette balle arrêtée, oui, on revoit sur cette action, il s'agit d'un but à zéro, c'est parti, oh là là, au-dessus complètement, bien sûr, ça joue avec Watt qui va y aller tout doucement. Au bout du compte, on sera récompensé. Attention, attention. Attention, depuis un certain temps, attention. Oui, les Mauritains, ils reçoivent les consignes afin d'apporter du 109 et de permettre, attention, avec Baldé, le centre, la tête et le poste. Eh oui, c'est le numéro 14, Abdoulaye Moussa, qui va céder sa place. Et oui, changement. Ils vont cette fois-ci encore prendre tout le temps. Voilà l'action de Jim Jeng. La tête de Boudian. Il fallait laisser la balle sortir tout simplement. Servir à son potier, non. Il a commis ce qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'il a plutôt servi Mangom, qui a du potentiel, mais qui ne l'exploite pas du tout du match. C'est lui qui pourra suivre cette fois-ci. Peut-être que ce sera la bonne. Voilà. C'est bien. Il joue en deux temps, le centre. Et lui, c'est encore lui, le capitaine, Mohamed Sissoko. Ils ont été surpris. Là, c'est un peu trop, c'est un peu trop. Ouais, ouais, il a trop poussé. Attention, c'est bien vu. Bien vu. Bien vu, c'est le nouvel entrant. Bien vu, il est frais. Il ne passera pas. Une moitié de terrain. Attention, il faut suivre cette action. Il peut rattraper la balle. Et il obtient le corner quand même. Distant. C'est le rouge. Parce que l'assistant lui a dit il n'y a pas de VAR, mais l'occasion. Oh là là, oui, il a touché avec des jeunes, des U17, moins de 17 ans, qui produisent quand même du beau jeu, bien sûr. La télévision des grands moments, c'est pourquoi tout est mis dans la continuité. On a du charme, c'est important. Coéquipier au Mangom. Mangom face à deux joueurs. Est-ce qu'il va faire le centre quand même? Il a réussi. C'est bien ce qu'il vient de faire, mais bon. Moins de 3 minutes de la fin du temps réglementaire. 1 pour la Gambie, 0 pour la Mauritanie. Attention, il n'y a pas eu de communication. Mangom qui va servir son équipier de centre. Oui, oui, Watt, attention. Oh là là. La défense côté gambien, Selou Diallo. Et là, on revoit l'action. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, Marron KO, puisque en ce moment précis, il est difficile, on ne dira pas impossible, parce que, attention, le nouvel entrant, c'est bien fait, quelle passe, oh là là, oh là là, il a... ah oui, passe lumineuse, millimétrée, mais il n'a pas su, ah, c'est lui qui est entré à la place du buteur Bakary Diatta, et c'est lui-même... qui inscrit ce but, ce deuxième but, et il a même failli doubler la mise. Mais là, ils sont vite revenus dans la compétition, ces Gambiens. Il faut faire attention à ces équipes. Ah, c'est la fin de ce match, Gladior. Nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi de la finale du CHAN qui se joue au Cameroun. Nous n'allons pas trop garder l'antenne parce que véritablement, ça ne quittez pas, restez. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.